Salut! Ça marche pour le 5 à 7. Ah, c'est vrai! T'es pas venue jusqu'ici me dire ça, toi? Ben, j'avais des courses à faire dans le coin pour le centre de répit, puis moi, j'avais envie de te le dire en personne. C'est quand même un moment important. Louis, vas-tu être là? Non, on attend un petit pensionnaire pour le souper. Il va rester avec lui. Ça va-tu, vous deux? Ça, je vous ai trouvé bizarre ce matin. Pourtant, ça va super bien. Hé, faut que j'y aille. Puis, t'oublies pas... T'as dit que t'apportais le champagne? Ah, j'oublie pas! Je vais aller en acheter, puis du bon bord de ça, madame! OK, ben, à ce soir! Ciao! Ciao! As-tu eu du nouveau pour hier? Oui, Chantal m'a dit que Luc avait fait visiter la fromagerie à un étudiant de la polyvalente des Cantons. Ah ouais? Oui, un certain Gontran Riendo. Moi, ça me dit rien, mais... Ouais, ça pourrait-tu qu'il ait échappé sa brosse à dents dans le bac? Ben, ça fait un peu bizarre, mais peut-être. Je vais appeler à la polyvalente. Je vous remercie de nous avoir ramené Edouard, Madame Lavoie. Ben, ça nous a permis de faire connaissance. Monsieur Simon devrait vous rappeler dans les prochaines heures. OK. Bon, ben, je te souhaite de revoir ton père bientôt, Édouard. T'as tout? T'as rien oublié? Peut-être juste une affaire. Ma brosse à dents. Ah, c'est rien. Tu peux t'en procurer une ici. OK. Bon, ben, je vais y aller. Ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer, Édouard. Merci. Cellulaires sont interdits dans la classe, tu sais. Gardez pour le moment, je vais le récupérer plus tard. Monsieur Simon va t'appeler dans quelques minutes. Assieds-toi. Ton directeur de niveau va venir te chercher. Tu sais que tu risques une expulsion du collège? As-tu appelé la polyvalente? Oui, puis il n'y a pas d'étudiant du nom de Gontran Riendo. Comment ça? Ben, il devait venir d'une autre école. Non, mais laquelle? Il n'y a pas d'autre école secondaire à Ville-des-Cantons. Dad. Salut, mon Édouard. J'imagine ta surprise, mais s'il te plaît, parle pas, OK? Dis rien, fais juste m'écouter. On va se voir bientôt. J'aurais pas dû te laisser aussi longtemps. Je regrette. Georges va passer te chercher au collège. Tu t'en viens me rejoindre, OK? Je peux pas te dire où, mais ça va bien aller. Je t'attends.